Round one, fight! You lose. Bonjour à tous, chers amis, et bienvenue sur la chaîne des yeux pochés. Ouais, comme vous pouvez le voir, après cette petite introduction en son et lumière, vous avez pu vous apercevoir que j'ai pris une bonne droite, campagnarde, si je puis dire. Effectivement, le capitaine a chu. Le capitaine est tombé, il est tombé face à plus fort que lui sur ce coup-là. Est-ce que je m'en relèverai? Ça c'est une autre question. Je pense que oui quand même. On va attendre déjà que le bleu disparaisse. Et puis on verra comment ça va se passer. Non, je rigole, bien sûr que je vais reprendre. Hein. Toutes mes félicitations à mon élève. Hein. Tout simplement parce qu'il a réussi à trouver une faille dans ma phase d'attaque. Il l'a exploité comme il fallait avec... un certain engagement, certes, mais bon, il y a quand même presque 20 kilos de différence entre nous. Donc même en y allant doucement, je l'aurais senti passer. Voilà, il était un peu dans le jus, donc je l'ai bien senti passer. Et vous pouvez vous apercevoir que il a suffi que d'un coup pour me faire comprendre que la meilleure solution pour moi était d'aller au sol. C'est ce que j'ai fait. Je me suis plié à sa volonté sur ce coup-là, puisque effectivement, ses arguments étaient meilleurs que les miens. Alors comment est-ce que c'est arrivé? Bon, mais... j'ai bien regardé la vidéo et c'est très simple. Hein. J'ai, comme vous pouvez le voir sur sur la séquence, je suis dans une phase active d'attaque. Donc j'ai une certaine forme de domination tactique par le volume de frappe où j'essaye de saturer mon adversaire. Je sature, ça marche plus ou moins bien. Et à un moment, sur une frappe au corps, une espèce de semi-circulaire frappe au corps, je ramène pas le bras gauche en couverture. J'ai frappé et je ne me protège pas. Et lui, ben, comme vous pouvez le voir, son bras passe par-dessus le mien, effectivement. Il fait une espèce de... il fait un coupé sur mon bras et il vient frapper directement dans la tête. Alors ça a tapé au niveau de l'œil et effectivement ça m'a sonné. J'avais vraiment plus envie de continuer. Alors dans la foulée, il y a un coup de poing, j'envoie un coup de poing qui part et lui, en plus de ça, il s'en protège. Quoi. Il arrive à l'esquiver, donc il a vraiment bien géré sa phase défensive. Et ben, là, moi, franchement, j'avais vraiment plus envie de continuer. L'œil un peu rouge. Donc, mais, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion? Effectivement, quand vous avez la domination tactique, quand vous oppressez votre partenaire, ça ne veut pas dire que celui-ci ne va rien faire derrière. Et si vous n'êtes pas attentif, si vous ne faites pas attention, eh bien, une riposte au bon endroit, au bon moment, permettra à ce dernier d'en finir avec vous très rapidement. J'ai péché d'orgueil, j'ai péché par peut-être une certaine forme de vanité. Eh bien, j'ai été ramené à ma place en tant que professeur étudiant. J'ai encore des choses à apprendre. Et bien, je remercie donc mon élève de m'avoir fait cette très belle leçon d'humilité pour le dernier cours de l'année avant la reprise en janvier. Sur ce, à tous, bien, je vous souhaite de bonnes fêtes, passez un bon Noël, passez de bonnes fêtes de Nouvel An. Et à très bientôt pour la suite des épisodes. Allez, entraînez-vous bien, amusez-vous bien et à la prochaine !